Bonsoir. Oula, oula, c'était fou. C'était rude. Bonsoir. Ah la vache, l'impression que j'ai chopé une pharyngite, dis donc. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau stream. Je me mets bien face à la caméra, j'ai encore un peu de mal à me cadrer, c'est fou. Nouveau stream exceptionnel du mercredi, puisque d'habitude on ne stream pas le mercredi. Stream, on va jouer à un jeu qui vient de sortir. J'ai eu la chance de pouvoir le tester un petit peu avant sa sortie. Car on m'a envoyé la clé et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc on y joue. On y joue, voilà. Évidemment, je ne pouvais pas le streamer avant qu'il sorte. Vous comprenez. Alors attendez, je vais juste par contre tourner un peu tout ça. Là, j'ai mon câble. Voilà. Ouais, ce soir, du coup, on va. Enfin, faut vraiment que j'oriente la caméra. Voilà. Non, toujours pas. Voilà. Donc ouais, petit stream de milieu de semaine pour fêter la sortie du jeu, la ressortie du jeu. Puisque ce soir, on va jouer à Save Me, Mr. Taco Definitive Edition. Un jeu qui était donc déjà sorti il y a 2 ans sur PC et Switch. Était à l'époque édité par Nicalis et qui aujourd'hui est édité par Limited Run Games, donc dans une version augmentée, une version améliorée, avec des updates pour que le jeu soit jouable par plus de gens, parce qu'il était quand même un peu difficile à l'époque, avec de nouveaux assets graphiques, enfin voilà, plein de petites options par-ci par-là, assez sympa, intégrées au jeu aussi. On va certainement pas finir le jeu en live parce que c'est des heures et des heures et des heures de jeu. Mais du coup, voilà, pour fêter la sortie, la ressortie dans la version telle que voulue par le dev, en tout cas suite au retour de la première version, voilà. On le fait parce que franchement, c'est un jeu qui est assez cool, un petit jeu indé en plus. Pas très cher. Là, j'ai vu que sur Steam, il était à, il me semble, 12 euros, quelque chose comme ça. 13 euros. Platformer 2D. Je vais regarder de suite. Le prix. Ah voilà. Ouais, 12,49 €. 12,49 € un petit platformer du coup voilà compatible manette compatible bon il y a des succès Steam en français en anglais sous-titré tout mignon tout kiki enfin vous allez voir hein, quand on le lancera. Et ouais, c'est un jeu pour le coup qui mérite, je trouve, qu'on s'y intéresse parce qu'en fait, pour info, bon, vous le savez peut-être pas, mais bonjour Poulax12, bienvenue. Comment ça va? Quelle heure il est chez toi du coup là? Parce que avec le décalage horaire, tiens, je suis perdu. Je suis très nul en décalage horaire. Ici, il est 18h30. Ça va. Je disais du coup, on va jouer donc à, ouais, à Saving. Ah oui, effectivement, il est tôt. Oh là là. Moi, c'est déjà le début de soirée. Et donc, ouais, je disais, donc on va jouer ouais, à Saving Mr. Taco Definitive Edition, qui était donc sorti il y a 2 ans sur Switch et PC, édité par Nicalis. Et donc, vous le savez peut-être pas, mais en gros, Nicalis, énorme shitstorm. Voilà. Donc, Nicalis, c'est des gens qui éditent aussi sur Switch. Ils sont connus pour leur portage Switch. Ils ont fait par exemple Cave Story, pour le plus connu des jeux qu'ils ont porté, c'est The Binding of Isaac. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Alors ça a été souvent comparé à Kirby, mais en fait rien à voir. Justement, c'était un peu le truc au début.
J'y viens juste après pour expliquer aussi pourquoi ça ressort et tout, parce que j'ai vu que la question ressortait beaucoup, donc voilà, si jamais il y a des gens qui connaissent. En gros, c'est... Donc il est sorti, et en fait, Nicalis a complètement ignoré les devs qu'ils éditaient, c'est-à-dire qu'ils ne leur ont pas filé de thunes, ou alors ils leur cachaient les chiffres de vente, ou voilà, ou alors ils disaient qu'ils vendaient pas assez pour pouvoir payer, ils bloquaient les updates, parce que du coup, quand vous avez un éditeur, en fait, ce qu'il faut savoir, que c'est pas le développeur qui paye directement pour être édité sur un store. Donc sur Steam, c'est gratuit, il me semble. Mais sur Switch, non, ils font un dev kit et tout. Enfin, c'est voilà, ils fournissent quand même des trucs assez onéreux qu'un dev tout seul peut pas se payer. Et donc, bah, c'est eux qui, quand on leur envoyait les updates, ne les mettaient pas. C'est ce qui s'est passé entre autres pour plusieurs jeux. Donc là, aujourd'hui, Nicalis, on n'en entend plus trop parler en Europe parce que tout le monde sait que c'est d'horribles personnes. Apparemment, ils s'orientent un peu plus vers le marché asiatique où on n'a pas entendu parler d'eux. Et comme ils ont toujours Isaac, autant vous dire que c'est un jeu qui n'a pas fini de faire de la thune, je pense. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour le dev de Save Me Mister Taco, donc Chris Deneos, il a trouvé un nouvel éditeur. Donc, qui est Limited Run Games, qui eux sont connus pour proposer des versions physiques de jeux qui n'ont pas forcément de version physique, et qui font aussi de l'édition de petits jeux indés et tout. Ils ont réédité par exemple il y a un mois ou deux Scott Pilgrim, qui n'a jamais eu d'ailleurs de version physique, donc ils l'ont édité en version physique sur Switch, Xbox, PS3, PS4, enfin un peu partout. En gros, c'est un peu leur truc. Voilà. C'est pour les gens qui aiment bien le côté matériel et tout. N'aiment pas acheter que du démat, et ben du coup ils peuvent obtenir une version physique limitée au final de leur jeu. Ça coûte le même prix qu'un jeu standard. C'est juste que du coup bah, c'est un jeu qui est limité en termes d'exemplaires par rapport à ce que vous avez dans le commerce. Donc l'inconvénient, c'est qu'effectivement, si comme moi par exemple vous possédiez le jeu à sa sortie originelle, là il faut le racheter. Parce que c'est pas une mise à jour, c'est vraiment le jeu qui ressort chez un nouvel éditeur. Après, il n'est pas super cher, hein. Il est à 12,49€. À l'époque, moi, je l'avais vu, je crois, dans les 8€ avec une réduc. C'est quand même, ça ressort du coup chez un éditeur super cool. Et il y a quand même pas mal de nouveautés, donc c'est pas juste une petite update. Alors, il y a quelques correctifs qu'on voit pas trop, hein, qui sont dans le gameplay ou dans le code aussi, pour ce que j'en sais. Mais vous avez aussi, il y a aussi du coup donc de nouveaux assets graphiques, de nouvelles options dans le menu, de nouvelles options dans le jeu pour faciliter le jeu, puisque le jeu était quand même assez dur. Moi, je l'ai jamais terminé dans sa version.
T'auras des streamers tout le temps. Moi, je trouve ça cool. Enfin, c'était pour couper un peu les applis là, qui ont plus besoin de tourner. C'est comme ça. Ok. T'es pas obligé de préciser, t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Bon, je vais laisser tourner encore cette musique et puis on... Ouais, après cette musique, on va lancer le jeu. Histoire quand même d'en profiter un petit peu. Je bosse quand même demain. Ah, hein? Ouais. Oh, bon. Et alors par contre, j'ai mis une playlist complètement random, mais qui est vachement chouette, dis donc, qui a été faite par Gorillaz. En tout cas, voilà, bon pour ce jeu, si vous êtes des gros fans de l'époque Game Boy, clairement Game Boy, hein, je parle pas de Game Boy Color, hein, de Game Boy, le jeu devrait vous plaire. Parce que franchement, il est assez cool. Je suis pas un énorme, je suis plus un énorme fan du gros rétro gaming et tout, mais ça fait plaisir de. Ça fait plaisir de voir des trucs comme ça dans l'indé qui sortent à des prix assez abordables. Et j'espère qu'un jour je pourrai avoir l'édition physique. Parce que ça ferait joli dans la collecte. Vraiment sur du disco, disco chill, hein. Ah oui, mais elle est super longue cette musique. Ah bah non alors. Non non bah attendez, on va arrêter tout de suite. On va passer en mode jeu direct. On va pas, voilà, on va pas patienter. Alors, hop, je me mets sur le jeu. Et parce que du coup moi j'ai le son ici, mais effectivement. Il est très très fort. Ah c'est bon. Alors, Save Me Mister Taco, du coup, Definitive Edition. Et ce que je trouve bien, c'est que bon, on a des trucs très classiques, hein, voilà, les crédits, voilà, les options. J'espère que c'est bon en termes de volume. Et en fait, on a plein de styles. Donc déjà, on a un côté ultra rétro, voilà, c'est du pixel art, hein, clairement. Ultra rétro, ce dès l'écran de titre et tout. En fait, dans les options, on a des options classiques, voilà, je peux baisser la musique. On a des options de palette. Parce que à l'époque, alors là, du coup, c'était plus sur la Game Boy Color, en vrai. On pouvait, à l'écran titre, changer la palette de couleurs si on avait un jeu qui n'était pas compatible Game Boy Color, si on avait un jeu de Game Boy normal. Et donc là, on a, voilà, la palette donc auto. Donc ça va s'adapter, c'est la palette par défaut. Qui s'adapte du coup aux différentes situations. La palette 0, la palette 1, enfin voilà. Donc on peut jouer au jeu avec une palette de couleurs. Bon, il y en a qui font un peu mal aux yeux, j'avoue. Ça, je me vois pas jouer au jeu comme ça. Voilà. Il y en a une chier, hein.
Vous voyez, on a un total de 16 palettes. Donc là, je vais le mettre en auto. On a un petit mode grille, pareil, si on veut se rajouter des pixels, on va dire, dessus. Moi, je vais pas le mettre. J'aime bien quand c'est un peu lisse et tout. Voilà, la langue qui se change en 2 secondes. Les options d'écran, bon, plein écran, vous savez ce que c'est. Et les options d'écran, je trouve ça cool. Parce que du coup, voilà, on a en fait ça qui a été rajouté, qui n'était pas dans la version originale. Des artworks. Donc là, en fait, je peux choisir si je joue en mode vraiment Game Boy carré, si je me garde voilà, un petit cadre, ou si j'ai le gros cadre carré, quoi. Donc là, moi, je vais le mettre comme ça parce que j'aime beaucoup. J'ai mis la photosensibilité au cas où. Et voilà, en fait, on peut choisir aussi les fonds. Il y a 10 fonds de mémoire, voilà. Donc un truc très Game Boy. Et après, voilà, plein de jolis fonds et tout. Et je peux les changer avec les gâchettes. En plein jeu, n'importe quand, y compris les palettes de couleurs. Voilà. Donc là, je vais me choisir ce fond-là, quitte à être en mode Game Boy, on est en mode Game Boy. Et puis, on va y aller. Donc là, c'est la game que j'avais fait juste pour tester un peu le jeu. Vous voyez, j'ai joué 20 minutes, j'ai fait 2%. On va faire un nouveau jeu, évidemment. Donc pareil, hein, 3 sauvegardes très Game Boy-esque, c'est super cool. Avec les chapeaux à collectionner. Alors attendez, on va même... Voilà, on va effacer ça. Et c'est parti. Et donc là, je peux choisir, voilà. Soit je joue en mode standard, donc c'était le mode qu'il y avait à l'origine dans le jeu. Donc un coup égale la mort, et j'ai que 10 vies, donc je peux mourir que 10 fois avant le game over. Ou alors, classique, j'ai une limite de 9 vies. Donc ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire que j'ai, je peux pas collectionner plus de 9 vies. Voilà. Ou alors là, voilà, j'ajoute 3 cœurs et je peux me concentrer sur l'histoire. Je vous avoue que je vais prendre ça, parce que le mode standard, j'avais beaucoup de mal. Au début, c'est jouable, après c'est difficile. Donc, on part sur ça. C'est parti. Penses-tu que nous trouverons bientôt cette île? La princesse doit impérativement se rendre dans son temple. C'est le seul moyen de gagner cette guerre. J'ai peur, cet orage n'augure rien de bon. Que pourrons-nous faire s'il nous attaque? Qui ça? Les poulpes! Et c'est parti! Wouh! Donc voilà, je me déplace, je saute. Et j'ai un bouton pour tirer, et vous voyez qu'à chaque fois que je donne un coup, ma jauge en haut à gauche se réduit. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Est-ce qu'on peut... Oh, waouh! Ah, on pouvait lui parler. Merde, bon bah... Pardon. Donc ouais, j'ai ma jauge d'encre, en gros, qui se... Ah! Ah bah j'ai utilisé ma lance, ok. Bon. Vous avez gagné cette bataille, mais ce n'est que le début de la guerre. Je jure en mon nom, Mireille, que nous serons vengés pour cette attaque. On s'enfuit avec la princesse. J'adore le thème par contre. Le thème du jeu est incroyable. Très bon boulot sur la musique. Encore cette chanson.
Les autres m'ont dit que tu as sauvé une humaine. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, frérot? Les humains sont des monstres, ils ne sont pas comme nous. Je reviens du village, tout est prêt pour mon annonce de ce soir. Au fait, on te cherchait au château. Ils ont sûrement encore des problèmes. Avec la princesse. Allez. Alors, je vais aller voir par où il est allé, là. Maison de Taco et Bako. Tu n'es pas encore parti au village, frérot? Excuse-moi de te mettre la pression avec la guerre. J'ai beaucoup de responsabilités maintenant. La princesse a beau chercher dans le passé, la solution pour moi se trouve dans l'avenir. C'est une bonne chose que tu sois ami avec elle. Tiens, prends ces gemmes pour la route, elles te seront utiles. Eh ben écoute. Très belle maison, ceci dit. Allez, zoom! Et Zebari! Donc voilà, il y a un truc comme ça, voilà. Il y a ce petit hub dans lequel on évolue. Boing, boing. Avec du coup les niveaux qui s'enchaînent les uns après les autres. Voilà. Un peu à la Mario. Hop. Et donc le truc du jeu, c'est qu'en fait, vous voyez, je crache de l'encre et juste ça immobilise les ennemis. Donc ça les transforme en plateforme inoffensive pendant un temps. Voilà. Les sauts sont quand même très... voilà. On peut sauter vachement haut dans le jeu. Attention, n'oubliez pas de regarder en bas avant de sauter. Bon bah voilà. Il y a un petit crabe. Ah bah, qui est mort. Voilà. Bon. Et là voilà, hop, vous voyez, je récupère des trucs d'encre. Donc ça me permet de recharger mon encre, tout simplement. Le poulpe est vraiment trop mignon en fait quoi. Enfin... Voilà, globalement les ennemis sont pas non plus trop méchants. Bon, après évidemment ça empire. Voilà. Hop. On prend les espèces de plumes, du coup c'est ma vie. Et du coup, là, je vois, bah, dès que j'ai, donc, je suppose, 100 gemmes, c'est ça qui me... Ça me redonne une vie. Merde ! Bon, tant pis. Voilà. Il n'y a pas de mécanique compliquée d'achat, de vente, j'ai l'impression, dedans. C'est... Hop, voilà. Et on a fini le premier niveau ! Bon, les niveaux d'après sont plus longs, hein. Mais, voilà, c'est assez... C'est assez simple, voilà, c'est de la plateforme, on avance. Ah. Hop, et là c'est bon. Et là je peux aller là. Alors. Ah oui, n'oubliez pas de regarder en bas, ok. Ouais, je sais pas ce que tu fais, je sais pas si tu me sautes dessus ou pas. Oula. Je viens de perdre une vie très très bêtement. Voilà, faut pas que tu m'embêtes. Toi là! Tu es bien Taco? Je reviens de la surface. J'accompagnais ton frère dans sa quête. Il m'a beaucoup parlé de toi. J'ai un problème. J'ai perdu un précieux objet par ici. Veux-tu bien m'aider à le retrouver? Je te serai très reconnaissante. Bah écoute. Oui? Ah merde!
Ah oui, le checkpoint du coup nous remet aussi toute notre encre. Alors, on va aller là. Quick, quick. Vous avez trouvé le livre mystérieux. Allez vite le rendre à sa propriétaire. Bah écoutez, oui. Ouh, j'ai failli prendre un coup. Tu as récupéré mon livre, rends-le-moi. J'avoue, j'ai menti. Je ne l'avais pas perdu, c'était un test pour toi. J'ai rempli ce livre au fil de mes aventures avec ton frère. Comment? Ce qu'il contient? Tu le sauras bien assez tôt. Passe me voir en ville, je te récompenserai pour tes efforts et te présenterai le travail de ma vie. Eh ben ok. Eh ben écoute, faisons ça. Hop, je pense que c'est là-bas, voilà. Village des poules. Bonjour. Salut Taco, combattras-tu les humains avec nous? J'aimerais bien rencontrer la fée comme Bako. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ce corail. Ah, je suppose qu'on pourra le casser plus tard. Fais attention, l'océan est dangereux en ce moment. Ok. Alors. J'instruis les enfants du village, leurs parents ne pouvant plus le faire. Ah oui. La maîtresse a dit que notre monde rétrécit. Mais nous n'avons pas le droit de sortir du village. Moi, mon frère, il est sorti du village, mais il n'est pas encore revenu. Eh ben, je pense que... Voilà. Tu as de la chance de pouvoir cracher de l'encre comme ça. Les poulpes n'en sont pas tous capables. Les humains ont des dents et des poils. Je n'en ai jamais vu, mais ça fait peur. Et il a raison, ça fait super peur. Les dents, ça fait très très peur. Ton frère est devenu célèbre maintenant qu'il est revenu du monde des humains. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Roi Laguna 8, Laguna 8. C'est la statue de notre dernier roi, le seigneur Laguna. Il est mort à la naissance de ses héritiers, comme tous nos parents. Le chancelier veille sur le royaume en attendant qu'il soit en âge de régner. Ah, parce que peut-être... Alors, peut-être que... Je sais pas si c'est le cas, mais peut-être que les poulpes meurent quand ils... Donne naissance à... Difficulté. Hein, ok. Je suis le poulpe le plus riche du village. J'ai hérité d'une longue lignée de bijoutiers royaux. Mais mon apprenti fait des choses étranges dans la cave. Bah attends, on va voir. Je peux rendre ta vie plus simple ou plus dure. Quelle peur franchiras-tu? La décision te revient. Ah, d'accord. C'est pour changer la difficulté du... Ok. Êtes-vous le grand héros que je recherche pour m'inspirer le plus beau des bijoux? Quelqu'un qui brillera après avoir vaincu tous les niveaux en difficulté classique? J'ai entendu dire que les fantômes ne peuvent accomplir cette prouesse. Le sens de ces mots m'échappe, mais un tel héros ne me laissera pas indifférent, Maslow. Et donc, moi je suis en difficulté. Moi je suis en cœur. Sinon c'est... Ouais, il faut faire... Ouais, classique c'est la plus difficile... Re! Alors, du coup, on va aller. On m'attendait au château. Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour et bienvenue. C'est ici que j'élève et prépare les crabes que nous mangeons. Tu veux jouer à un jeu? Passe par la porte derrière moi et essaye de calmer le plus de crabes possible avec ton encre. Si tu fais un bon score, je te récompenserai. Bah, allez! Ah, ils me font pas de dégâts, tant mieux. Ah! Oulala, oulala, le jeu n'en peut plus, là, il commence à ramer. C'est super rigolo.
J'ai aucune idée de ce que veut dire un bon score, ceci dit. Mais arrêtez. Ah. Crabe touché 80. Hop, hop, hop. Oh bah allez, bam, une vie. Hop. Très bien. Merci. Même les crabes que nous mangeons deviennent agressifs. Mais où va le monde? Allez, garde un coffre. Ton frère nous a redonné espoir après avoir reçu un don de la fée. Grâce aux connaissances qu'il a ramenées de la surface, nous avons pu créer nos casques. Je n'ai jamais vu le général Sacco sans son casque. J'ignore d'où il vient et comment il est devenu le bras droit de ton frère. Bah écoute. On dit des humains qu'ils mangent les poulpes, j'ai peur d'y aller. Ceci est vrai. Donc là-bas, je suppose que... Ok. Donc là-bas, c'est la sortie. On va aller au château. La princesse a disparu. Elle est sûrement encore dans ses ruines. Tu veux bien la chercher à ma place? Les ruines sont à l'ouest du village, dans la crique derrière ta maison. Bah oui. Notre château est si majestueux, je suis fier de me battre pour le protéger. Ok. Bah écoute... Ah! Attends, hop. Ah, il y a le truc à chapeau, là. Hey, Taco, bienvenue dans ma boutique de chapeaux. Ne sont-ils pas fantastiques? Comment ça, Pouilleux? Détrompe-toi, ils renferment d'immenses pouvoirs. C'est ma passion, c'est avec eux que je remplis mon lion. J'ai eu une idée, tu vas bientôt partir pour la surface, toi aussi. Laisse-moi m'occuper des chapeaux que tu y trouveras. C'est d'accord? Pour fêter ça, je t'offre ce chapeau. Vous obtenez le chapeau de l'amitié, il vous permet d'encaisser un coup. Alors ça, c'est cool! J'ai un petit cœur sur la tête du coup, donc je peux prendre un coup en plus. Par contre, du coup, moi je voulais quand même aller au château. C'est là? Non, c'est pas là. Là-haut, il y a un truc. Je vais devenir un soldat fort comme Bako. Ok. Alors... Petite vague. Peut-être qu'il me faudra un chapeau ou une compétence spéciale. Et ben on va pouvoir ressortir, je pense. Voilà, pour aller aux ruines. On va chercher la princesse. La princesse poulpe. Je suis sûr d'avoir vu un calmar blanc aller dans les coraux. Comment? Ma sœur s'inquiète pour moi? D'accord, je vais rentrer au village. Ah, ok. Ah, donc il y a quand même des petites quêtes. Merde. Des petites quêtes annexes. C'est cool. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Oulala. Ça, ça va. Hat, hat. Ah oui, d'accord. Et là, je peux changer de chapeau si je veux. Et du coup, j'aurais peut-être dû regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs, là? C'est fermé. Bon. Alors, il y a quelque chose à faire en bas. On va récupérer un max de vie. Parce que vraiment, dans la première version, j'avais vraiment le souvenir qu'au bout d'un moment, les vies partent assez vite. Même si on est en mode facile, bon. Hop. J'ai visé un peu trop vite. Hop là, waouh. Allez, ça c'est bon.
Bon, on est aux ruines, donc on devrait retrouver la princesse. Bah, elle est là. Oh, tu es là, Taco. Les gardes t'ont encore envoyé à ma recherche. Quand arrêteront-ils de me prendre pour une enfant? Ils ne comprennent pas l'intérêt que je porte à l'histoire de notre peuple. Viens voir! Il y a bien longtemps, notre espèce régnait sur toute la Terre. Mais notre monde a commencé à disparaître, laissant place à celui des humains. En tant que princesse, j'estime avoir le devoir de restaurer notre grandeur passée. Tu te souviens de la chanson que je t'ai enseignée? Tu ne te rappelles que d'une partie? Chantons-la ensemble. Oh, mais non! Bonsoir Chris, bienvenue. Oh bah, mais de rien, hein. C'est un plaisir d'y rejouer. Il fait grave plaisir ton remaster. Et maintenant qu'il y a un mode facile, je vais peut-être enfin pouvoir le finir. Vu que je suis pas très très bon. Comment ça va au fait, toi? Comment se passe cette journée de lancement de jeu? Alors, c'est qui Chris? Bah, c'est le développeur du jeu. Chris Deneos. Donc bon. Ok. Ah mais non, mais je suis bête. C'est là. Et bonsoir du coup, Kouladis. À fond en train de tweeter RT, bah ouais, j'imagine du coup. Ça marche. Eh bah écoute, bon courage, bonne soirée. Ah, j'ai failli mourir. Merci. Bonne soirée à toi. Et bon courage. Voilà, on aura eu un passage éclair du dev, et en même temps, je comprends. Hein. J'imagine que le lancement d'un jeu, c'est quand même un truc... C'est quand même un truc qui doit être un petit peu stressant. Vous obtenez un arc, vous ressemblez à un prince, oui! Le chapeau est empli d'énergie, il ne peut pas être perdu dans le donjon. Ah, ok. Et donc là, je peux tirer en ligne droite. Donc je suppose que j'ai des... Ouais, c'est ça. J'ai un interrupteur, des interrupteurs à activer. Alors, paf, paf, paf. Voilà. Mais ouais, j'imagine que le lancement doit être un peu stressant. J'espère qu'il n'y a aucun bug majeur et tout. Même si t'as fait des playtests et tout, enfin, je me dis il doit y avoir tous ces petits moments de stress. Oh, on est coincé. Eh ben du coup on va. Taco, où es-tu? Je vais visiblement encore devoir me débrouiller seul. On a la princesse. Ok. Wouh. Ah, c'est mignon. Fais des petites bulles. Elle crache pas d'encre comme Taco, elle. Hop. Bon, pour l'instant, ça va, c'est simple. On n'est pas non plus sur des niveaux labyrinthiques, horribles, avec des ennemis de partout et tout. On profite. C'est un rythme ok, moi ça me convient. Ah! Ok. Wouh! D'accord, il y a un timer. Voilà. Ah, par contre, les bulles vont pas droit, j'allais dire. Wouh! Voilà, ok. Non! Pardon.
Alors. Ah! Alors, une vie perdue très bêtement, du coup. Ah! Ouais, c'est ça que je voulais faire. C'est bon. Ça va, les sauts sont vachement cool parce qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de air control. Ah oui, alors là, il est... Ouais. Il est caché, cet interrupteur. Il y a pas mal de air control, donc... On risque pas de crever bêtement, on va dire. Ok, ça, c'est cool. Ah, non, alors ça, je veux pas. Voilà. On peut facilement bouger, se rattraper et tout. Hop, ok. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Que voilà, quand tu sautes, ton saut il est pas complètement défini. Tu peux encore bouger dans les airs, donc tu. Voilà. Et en plus, tu peux sauter très haut ou un peu. Et ça, on aime. Alors. Si vous tombez au combat, une bulle vous ramènera ici. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a, il y a un combat qui arrive. J'étais ici tout ce temps. Réveille-toi! Oh, joli chapeau, tu penses qu'il y a d'autres trésors comme ça ici? Est-ce que tu réalises que nous suivons les traces de nos ancêtres? Continuons! Eh ben écoute, oui. Avec joie, ça. Quelle belle statue. Crois-tu qu'il s'agit d'un gardien? On dirait qu'il n'y a pas d'autre passage, c'est la fin du chemin. Bonjour! J'ai dit une bêtise, je pense que ton arc va nous servir. Attention! Allez, il est où? Ah là là là! Ok, bon, clairement le... Ah merde, je suis mort! C'est bon. Il est décédé. Le boss n'était pas trop dur, ça va. Félicitations. Tu es peut-être prêt pour la guerre, finalement. On raconte que ce temple enfermerait notre dieu, le Kraken. Je suis sûr que ce golem était son gardien. Est-ce que ça veut dire que notre dieu existe? Quoi qu'il en soit, le chemin s'arrête ici. Rentrons au château pour l'instant. Le petit boss fight était cool. C'était sympa, j'espère qu'on en aura d'autres pendant le stream. Je suis rentré, mon frère, as-tu vu le chancelier? Je suis juste là, princesse. Combien de fois vais-je devoir te dire que les ruines sont dangereuses? Mais, chancelier, nous avons combattu un golem. Maintenant, je suis sûr que le Kraken a existé. Quoi? C'est trop dangereux, je ne veux pas que tu y retournes. La solution pour sauver notre peuple se trouve peut-être dans notre passé, je le prouverai. En tout cas, merci Taco de l'avoir ramené, Senesov. Tu dois te dépêcher, ton frère va bientôt annoncer le départ à la guerre. Il a rassemblé les troupes à l'est du village. Bonne chance. Ok. Merci pour ton aide, je ne sais pas si j'aurais pu y arriver. Ah oui, c'est le mec qui nous a envoyé là-bas tout à l'heure. Oh bah écoute, de rien, hein. C'est un plaisir. Hein. On dit qu'un tableau est la porte vers les souvenirs de celui qui y est peint. Alors vraiment, est-ce que c'est Mario 64? Est-ce qu'on va traverser les tableaux? J'avais une amie appelée Saki, mais elle a disparu il y a 2 ans. J'imagine qu'elle a dû se faire pêcher par les humains. Ah bah oui. Tu penses que la princesse a raison à propos de notre ancien dieu et de toutes ses légendes? Je sais pas. Je vais aller voir. Là-bas, il y a quoi? Princesse! Ces ruines étaient géniales. J'espère que tu reviendras souvent me raconter tes aventures. Ah, il y a peut-être des trucs à gagner si on fait des allers-retours ici. Alors attendez, il y avait un endroit à l'école des petits poulpes. Non, c'est pas là. Où il y en a un qui nous disait justement j'ai perdu mon frère ou un truc du genre et tout. Et ça avait lancé une petite quête.
que c'est lui. Non, c'est pas toi. Ah bah attends, oui, il est là, donc ça doit être toi. Merci d'avoir retrouvé mon frère. Je suis sûr que c'est un gentil calmar. Si un jour tu le retrouves, préviens-moi. Ah oui, d'accord, puisqu'il avait voulu suivre un calmar dans le corail. Ok. Eh ben écoutez. Viens me voir, si tu es perdu, je ferai de mon mieux pour t'aider. Tu veux porter un de tes chapeaux? Non, moi je vais garder celui-là. Hein. Ok, donc Lou, oui c'est ça. Alors ça, c'est, il me semble que c'est un ajout qu'il n'y avait pas dans la V1. Loulou, la loutre, peut te guider. Si jamais en fait tu es perdu, tu sais plus trop où aller et tout, parce qu'au bout d'un moment dans le jeu, il faut faire des allers-retours. Et c'était pas très clair dans la première version. Donc là, Loulou te dit où aller en fait. Hop, hop. La 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 la. Un objet brille par terre, il a dû tomber d'un bateau. Vous obtenez le joli ruban. D'accord? Mais je fais... Ah, ah mais ça va. Boing. Boing. La 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 la. Ah, là, ça commence à être un peu relou. Voilà, hop. Là, faut se tenir sur des ennemis. Oh la vache. Bah, putain, je l'avais pas vu. Ah oui, d'accord, on pouvait passer par en dessous. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Et hop là! Non, pour l'instant, on est sur des niveaux faciles, ça va. Ça avance vite, c'est court, c'est un rythme. C'est un rythme qui est cool, moi j'aime beaucoup parce que du coup, tu peux vraiment juste, si t'as envie. Si t'as envie, faire. Faire un niveau et puis basta quoi. Enfin, tu peux les faire petit à petit, c'est assez chouette. Mais en même temps, là, on a envie de voir l'histoire et tout, donc on continue. Alors, on va faire ça. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un coffre! Vous obtenez l'orbe, jetez-en de partout. Ah, ça rebondit! Ah là, mais on a déjà débloqué tellement de chapeaux! C'est trop bien! C'est pas super précis par contre, hein. Ouais, je peux en tirer moins que. Ça fait boing boing boing. La 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 la. Par contre, ouais, ça a le même effet, mais ça rebondit, donc ça peut toucher plusieurs ennemis, et ça, c'est cool. Alors. Ah merde! D'accord, fallait que je le. Bon. Donc là on est sur un gros niveau. Waouh, la base de l'armée poule. Bah, moi j'ai pas de casque hein. Oh, regardez, il a l'air triste quand il regarde en bas, il fait genre oh, oh j'ai pas de casque. Maintenant que Taco est arrivé, je peux commencer mon annonce. Nous partirons tous pour le monde des humains dès demain. Voici mon plan. Il existe un royaume appelé Sarona. Il est dirigé par un roi tyrannique qui menace les royaumes environnants. Ses rivaux sont l'état de Belis et le royaume d'Idor. Ils ont décidé de collaborer avec nous afin de l'écraser.
Je sais que collaborer avec des humains vous dérange autant que moi. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste la première partie de mon plan. Une fois Sarona tombée, nous en prendrons le commandement. De là, il sera facile de vaincre les autres royaumes humains. L'espèce humaine déclinera et les poulpes seront sauvées. J'espère que tu ne me décevras pas, Taco. J'arrive pas à voir s'il a une cicatrice ou une mèche. Un peu émo, t'es devant le visage, un poulpe émo. Emo-san, du coup. Et en fait, c'était un rêve. Entends mon appel, Taco. Il est temps de te réveiller. Tes actions témoignent de la grande destinée qui t'attend. Viens dans ma grotte. Hein. Et tu seras récompensé. Eh ben écoute, puisque j'ai rêvé de toi, petite fée, allons-y. Ah, loulou! Quoi, tu as vu la fée en rêve? Elle doit t'attendre dans sa grotte. Tu veux porter un de tes chapeaux? Alors, les orbes, un joli ruban. Ah, c'est un objet de quête! Chapeau de l'amitié, le chapeau du prince. Moi, je vais prendre le chapeau du prince parce que j'aime bien l'arc. Bah écoutez, hein, allez. Hein. Pouf. Bientôt, il n'y aura plus de place pour les portes, là. C'est-à-dire que... Ouais, il y a encore là. 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 Là-haut, non. Ah. Alors, c'est parti. Pardon, je me recalais un peu bien. Je vous avoue que je suis vieux. Étant vieux, j'ai des petits soucis de dos et comme je n'ai pas de dossier quand je stream, ça rame un peu. C'est bon. Et ouais, comme je n'ai pas de dossier quand je stream, bah du coup, ça n'aide pas trop. Il m'oblige à faire des pauses parfois un peu plus régulières et je viens de mourir en parlant. Ah non, j'ai perdu mon chapeau! Ah non! Ah non, 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 c'est nul ça! Chris, reviens! Donne-moi des chapeaux! Je vais rappeler le dev. Je vais rappeler Chris et je vais lui demander de me mettre des chapeaux. Voilà. Oh non! Ah, j'ai le seum! Je pensais qu'on le gardait. Qu'est-ce que c'est ça? Grotte de la fée. Alors il y a peut-être un truc là-haut avant. Est-ce que je peux remonter? Oui, ah bah oui, une vie. Ah bah oui. Des dossiers? De quoi? Non. Aucun dossier sur aucun dossier sur le dev. Si c'était ça la question, si j'ai bien compris. Ah merde. Et voilà! Niveau 7! Ah non, tu veux dire dossier? Putain, pardon. Oh là là, tu vois, c'est bon, je viens de percuter. Non, mais en vrai, j'ai malheureusement pas la place d'avoir un bureau avec une chaise de bureau. Pas même juste une chaise avec dossier, parce qu'en vrai, voilà. Il n'y a pas besoin des giga chaises gamer qui sont pas forcément adaptées d'ailleurs. Pardon. Ouais, c'est ça. Non, non, mais oui, c'est... Pardon. Comme il y a un peu de latence et que je parle vite et que je retiens pas ce que je dis. Ça donne souvent ça. Mais non, malheureusement, en fait, j'ai pas la place d'avoir un bureau chez moi et donc de poser une chaise. Donc c'est stream depuis le canap, ce qui en soi est très cool, hein. Mais du coup c'est pas le meilleur truc du monde pour mon dos. Et puis comme là en plus j'ai fait des nuits, oula,
je sors d'une semaine où je fais des nuits assez courtes et des journées assez longues. J'ai pas le temps de reposer assez mon dos. Mais du coup, je fais juste des pauses. En fait, je compense. Avant, je faisais genre une pause dans le stream. Et maintenant, des fois, j'en fais deux, quoi. Mais voilà. Ou alors, je fais les streams un peu plus courts. Prenez soin de votre dos. Tu es enfin arrivé dans ma grotte. Je suis Lalabichois, la fée des poulpes. J'ai vu que tu as sauvé cette femme. Tu mérites une belle récompense. Oh, tu désires le pouvoir de respirer hors de l'eau comme ton frère? Ça marche. Eh ben écoute. Bonne école, hein. A plus. Je vais t'accorder ce pouvoir. Merci d'être passé, mais à une condition. Tu dois me promettre de ne jamais détester un humain. Tu acceptes cette condition? D'accord, voici ton don. Ah oui, mais Taco, il est gentil. Tu peux maintenant respirer hors de l'eau et découvrir le monde des humains. Pars maintenant, une bulle d'or t'attend au-dessus de ma grotte. Elle te mènera jusqu'au monde des humains. N'oublie jamais ta promesse. Promis! Ah, tu n'as rien à faire là-bas, reviens. Pardon. Excusez-moi, madame. On a vraiment une palette par monde, c'est ça qui est trop cool, quoi. On prend la bubule. Alors attends, y a pas de truc caché? Non. C'est parti! Au revoir, bonjour le monde des humains. Pouf! Le prince m'a vu. Et donc on est à Bélis. Donc là on a les chapeaux. Oh, je veux prendre un chapeau avant. Maison sur la falaise. Ah, il a eu peur de moi. Salut toi. On doit traverser Bélis pour suivre ton frère. Viens me voir si tu es perdu, je ferai de mon mieux pour t'aider. Tu veux porter un de tes chapeaux? Oui! On peut attaquer la poule! Alors j'en étais quasiment sûr, mais comme dans tous les jeux évidemment, si on attaque les poules, elles nous attaquent. Mais c'est rigolo. Du coup, on a débloqué le petit succès Steam, t'as vu? Bon, après, les succès Steam, hein, c'est clairement pas le... Oula, elle pique un peu les yeux, hein, cette palette. Non pas qu'elle soit moche, hein, mais... Ah, il y a des... petits lamentins! Voilà! Ah, des pigeons. Ah, j'aime pas les pigeons. Ah, j'aime pas les pigeons. Regardez, il y en a un là. La base secrète, Léo. Ok. Mais allez vous faire... Non, je vais pas aller dans le trou, hein. Ouais. Oh, il y a une statue là. Tiens. Pigeon de merde. Ennemi de merde. Là, les ennemis qui t'attendent comme ça en stand-by et qui te foncent dessus. Ça, c'est ma honte. Et encore, franchement, là, je me plains, mais ils sont gentils en vrai. C'est pas des... c'est pas des pigeons si méchants que ça. Wouah! Alors, clairement, je me demande ce qui se passe si... si, genre, je suis sur un checkpoint et qu'un ennemi me touche. Je suppose que c'est prévu et que... Ah! Je suppose que c'est prévu et...
et que du coup il se passe rien quoi, il me traverse, mais j'aime beaucoup cette palette par contre. Par contre ça rame un peu, mais je pense que là c'est vraiment lié au fait que je stream en même temps. Je pense qu'il aime pas trop. Alors attends, je veux juste voir rapidement les stats. Non, on est toujours en 30 fps, pas de perte et tout, donc ouais. Ah! Ouais! Bon, y'a rien à faire là-haut. Ah! Bon, pour une gemme, non, ça vaut pas le coup de risquer de mourir. On va arrêter d'être bête un peu dans ce jeu. Allez! Checkpoint! Point, 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 point! Par contre, je sais pas du tout comment, je suis en train de me demander comment il a fait pour les palettes. Est-ce qu'il a dû tout dessiner dans chaque couleur? Je suppose pas, parce que ce serait quand même un travail colossal. Par contre, je me dis, il y a peut-être moyen que, ouais, il ait tout dessiné, et ensuite, peut-être via un logiciel du genre Photoshop ou équivalent, juste modifier les palettes de couleurs. Peut-être que dans Unity, la première version du jeu était faite sur Unity de mémoire. Celle-ci, je ne sais pas. Oula! Bonjour! Vous n'êtes pas des gentils. Vous êtes des humains et vous voulez ma mort. Alors le pélican, vraiment, je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce que juste il attend? Mais j'ai pas... Mais en même temps, j'ai pas envie de le savoir. Ok. S'il n'y a pas de bord, du coup, les ennemis se suicident. Ça me va. Ah. Moi, ça me va hein, que les ennemis se jettent à l'eau. Hein. Oh bah attendez. Alors par contre ça c'est, il est vraiment généreux mais c'est super cool. Il y a plein de recharges d'encre. Donc en vrai t'es jamais à court d'encre quoi. Par curiosité, ah oui non là on peut pas vider la réserve ici. Je vais dire est-ce qu'on peut vider et voir ce qui se passe. Bourbélis. Bah écoute, je peux pas t'ancrer, je peux juste te faire partir. Oh, alerte, les poulpes arrivent. Allez-vous-en, kidnappeur d'enfants. Oh, mais on a kidnappé personne, monsieur. Mais non, mais attendez. Il s'agit d'un horrible malentendu. Partez d'ici ou ramenez-nous nos enfants. Ah donc il va peut-être falloir montrer patte blanche et genre leur ramener leurs gamins qui ont été kidnappés. C'est ça, fallait repartir et ça nous ouvre un niveau, ok. Oh bah hé. Alors par contre c'est la fête du slip de la vie hein. Hop là, 38, allez donne. Ah, vous allez pas me casser les couilles longtemps. Hein. Allez, une vie, hop là, 34 vies. C'est bon, je vais être. Je vais avoir plein de vies. Tout va bien. Prochain truc d'encre que j'ai, ceci dit, je vais regarder ce qui se passe si on est à sec. Est-ce qu'on est complètement à sec? Est-ce que genre on y a droit quand même un peu et tout? Faut que j'y pense. Ouais, ça va, je regarde le stream, ça a l'air d'aller, c'est cool. Il y a des statues de la princesse là, des humains. Je suis sûr que c'est la princesse des humains. C'est la chef. C'est la chef de tous. C'est la plus gentille. Ah bah attends, tiens.
Là. Donc là, ça clignote. Ah, ça se recharge quand même un peu. Ok. Donc ça va, on n'est pas non plus trop en galère si on n'a plus d'encre. Genre, je me dis contre un futur boss ou quoi. Oh, ce shot là. Mais merde. Eh ben, soyez pas pressés, hein. Non, si on est en galère, genre, ouais, contre un boss et qu'on a plus de réserve et tout, au moins ça remonte. Pas trop vite, juste comme il faut, quoi. On sait toujours pas ce qu'ils font, hein, les pélicans. Hein. Bilan, c'est toujours pas trop des menaces. Pam, pam, padam, pam, pam, padam. Ouh, il y a des yeux qui font peur. Il y a des yeux qui font peur dans les buissons. Taco, qu'est-ce que tu fais là? Peu importe, cette forêt m'inquiète beaucoup. Bako voulait le cacher ici, mais c'est dangereux. De toute façon, j'ai pas mis mon armure. Regarde mon chapeau. Avez-vous vu mon chapeau? Regardez mon chapeau. As-tu vu mon chapeau? Est-il beau, mon chapeau? J'aurais préféré prendre la route avec les autres au lieu de passer par là. Tu devrais être fier de la mission qu'on t'a confiée plutôt que de trembler. Alors, par contre, est-ce que ça veut dire que du coup, tous les poulpes ont le pouvoir de respirer? Et donc la fée, elle a été gentille avec tout le monde et elle a juste fait confiance à plein de poulpes qui sont en fait méchants? Mais pourquoi faut-il enlever ces enfants humains? Idiot, ne trouves-tu pas injuste le fait qu'ils puissent avoir des enfants sans mourir? Ouais, mais c'est des humains, vous êtes des poulpes. Ben, c'est pas de leur faute. Ces enfants leur sont trop précieux, ils n'oseront rien nous faire si on les prend en otage. Cet endroit n'est pas rassurant, allons-y et qu'on en finisse. Ah, il y a un pigeon là. Qu'est-ce que c'est que ça, fuyons? Quoi? Ah, il faut que je pigeonne le pigeon là? Ok. Ah là là là. Ok. Moi j'aime bien ce petit boss là. Mario, vraiment Mario vibe un peu. Ah là là. Ouh là là, ouh là là. Allez, trois fois. Oh la vache. Oh et oh. Quatre fois. Bon. Ah merde, j'avais plus d'encre. Ah ben, je commence à galérer là. Bon, ce qui est bien, c'est que la barre de vie du boss ne repart pas. Voilà. Ah la vache. Ah la vache. Il était cool ce boss, surprise, vraiment inattendu. Ne me faites pas de mal. Il est là genre... Pa-pam. Quelle jolie chanson. Tu sembles ne me vouloir aucun mal. J'ai été enlevé quand je suis allé acheter du pain pour ma mère. Mais vraiment aucun respect. Je suis le fils du maire, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont enlevé. Rentrons en ville ensemble. Ah bah oui. Main dans la tentacule. Donc la ville, elle était là. C'est pas là. Ah! Ah, je suis obligé de finir le niveau. Je me suis trompé, je suis obligé de refinir le niveau. On va le faire vite. Bon, j'avoue que là... Allez, tiens. Allez, paf. Mon chapelle préféré. C'est cool par contre qu'on puisse refaire les niveaux si on a envie, genre tu peux faire qu'un boss run et tout.
Du coup, tu peux revenir en arrière, farmer un petit peu les gemmes, les vies et tout. Bah attends, il y a une vie, hein. On va... Voilà. Bah, oh! D'accord, donc les ennemis réapparaissent quand même hors écran. Ah, j'avais pas fait gaffe si... Hop. Voilà. Donc pardon, du coup, pour ce niveau refait. Par accident. Voilà, moi je voulais aller là. Ouf. Je suis rentré! Attention, un poulpe t'a suivi! Ne lui faites pas de mal, c'est lui qui m'a sauvé! Un poulpe qui sauve un humain? Comment est-ce possible? C'est la vérité, regardez-le! Il n'a pas l'air méchant. Donc autant, par contre, les humains parlent, les poulpes comprennent. Par contre, les poulpes peuvent pas parler aux humains. Si tu penses qu'il n'est pas une menace, je vous laisse passer. Merci! Maman! Léo, tu es rentré! Maman, ce gentil poulpe m'a sauvé. Merci beaucoup, monsieur le poulpe. Vous serez toujours le bienvenu ici. Oh bah ça. Comment? C'est la première fois que tu vois une mère et son enfant ensemble. Pour te récompenser de m'avoir sauvé, je t'offre mon trésor. Il est caché dans une grotte sur la plage. Je vois, tu veux suivre l'armée de ton frère. Bonne chance dans ta quête. Ah oui, alors attends. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des quêtes à donner? Un poulpe à Bélis, je ne ferais rien de suspect si j'étais vous. Bah ouais, ça va. Hein. Bonjour. La reine d'Idor a décidé de collaborer avec les poulpes. Depuis le temps qu'elle est en guerre avec le roi de Sarona, elle ne pouvait pas rater cette aubaine. En tout cas, ça n'a pas protégé nos enfants. Bah tu m'étonnes. Pardon, hein. Je viens juste péter les... Il est tout chouette ce petit village. J'ai peur, je ne veux pas être enlevé moi aussi. Bah non. Bah non, petit bonhomme. La sorcière va te changer en crapaud. Maman ne veut plus qu'on sorte de la maison. Je voulais jouer dehors, moi. Mon mari est parti sur la plage chercher les enfants enlevés. L'armée poulpe est passée par là, ils en ont sûrement caché. Tu peux essayer de les sauver toi aussi, mais les humains t'attaqueront sûrement. Ah, une quête. Est-ce que c'est des takoyaki? Est-ce que vous êtes en train de cuisiner du poulpe, là? Ça me rend triste. Bon... Eh ben une nouvelle petite quête. Bélis est un pays neutre. Le maire n'a pas voulu se mêler du conflit entre Idor et Sarona. Ouais, c'est la Suisse, quoi. Est-ce que vous avez l'or des nazis, Bélis? Il y a un Titien. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir sauvé mon fils. Qu'est-ce qui lui serait arrivé en forêt? Ok. Merci d'avoir sauvé mon fils. Je suis le maire de la ville. Depuis le début de la guerre, nous traversons une grande crise ici. L'armée d'Idor est partie pour la frontière accompagnée des poulpes. Si tu veux les rattraper discrètement, tu devrais passer par la forêt. Ok. Je m'appelle Léa, merci d'avoir sauvé mon frère. Pourquoi nous battons dans cette guerre? Oh là là. Si tout le monde prenait le temps d'observer ces fleurs, le monde serait moins barbare. M'aideras-tu à en planter de par le monde? Ah ouais, alors... Génial ton chapeau, mais... bon. Non mais... Ah d'accord, ça fait juste pousser des fleurs partout. Par contre, je peux plus tirer, donc il est bien le chapeau pacifiste, mais j'en ai besoin pour finir le jeu, en fait. Est-ce que le petit et la petite chèque, ça veut dire qu'il y a un truc à faire? Ah non, je peux rien casser. Ah, attendez, je vais voir parce que là-bas, Léo m'a dit que il avait. Son trésor. Merde. Bon, on va changer de chapeau, hein, par contre, désolé. Hein. Toujours le même, hein, évidemment. Team Arc. Voilà! Le boomerang! Ah! Ok. C'est pas. Team Arc toujours, mais c'est cool. On a un petit béret avec et tout.
Bon. Du coup, on a récupéré le trésor de Léo. Mais vraiment, faut que j'arrête d'être... Je saute sur l'ennemi, quoi. Putain... En vrai, on peut limite avancer... Ah, c'est ça, il me touche pas. Très bien. Ouais, alors vraiment, je récupère ma vie... Donc, on va aller dans la forêt. Là où le hibou allait être ses petits. Là. J'ai fait une petite pause après le niveau de la forêt, je pense. Ah, il y a des chats. Il y a des chats sauvages. Est-ce que les poulpes et les chats sont amis? Très bonne question. Je pense que je vais devoir demander à mes propres chats. Ah, il y a des guêpes, des grosses guêpes. Alors quand tu vois le gabarit des chats et le gabarit des guêpes. Bon, tant pis, j'arrive pas à faire le saut, je vais pas me... Hop là. J'ai quand même beaucoup de vie, donc en vrai... N'essayez pas de couper les lianes, brûlez-les. Ah, donc il y a un chapeau à avoir là. Il y a des chapeaux qui auront une utilité spéciale vraiment. Merde. Je suppose que ouais, je dois avoir un chapeau qui me permet de cracher des flammes. Ah, il faut que je passe par là. Le thème est super sympa là aussi ici. Ah, bonjour Taco, j'ai observé tes premiers pas dans le monde des humains. Je suis heureuse de voir que tu as créé un lien avec eux en sauvant cet enfant. N'oublie pas ces gens et ces lieux. Le monde est vaste et empli de choses à découvrir. Pour qui sait chercher? Comme Céliane, tu seras sûrement brûlé plus tard dans ton aventure. Merci, la Labiloucha. Ta quête pour raisonner ton frère est longue, celle vers l'appel est encore plus. J'espère que tu tiendras ta promesse et ne ressentiras jamais la même haine que lui. Bah, et que lui et que son armée entière. À nouveau, hein, vraiment. Ah! Pam pam padam. Donc ouais, petite pause. Ah pardon, ah, vraiment petite pause de vieux pour le mal de dos. J'arrive dans 2 minutes. Ouf, oh la vache. C'est horrible. C'est vraiment horrible d'être vieux. À tout de suite. Thank you.
Drinking and smoking too much, that shit damages. Give me a lot, I can do it myself, I can manage it. Two signs I gotta leave, and you know how it is. You and me, we can take on the world, we can be savages. I called my dealer, said share the wire with all of us. I told him we've been so nice, don't turn on us. Is it funny how the time flies by, so fast? If we do all of these lines, we go up. But if I look into your eyes, before I commence and just rhyme to this. Definitely going down. Find a pagan on the strip, spinning round. Big man talking shit till we pin him down. Big man talking shit till we lick him down. Lick him down. Door enough, I'ma spin you round. Put the big in your belly, then spin it round. You can ask Crimbo if I've been about. Free him out. I don't need to get them pictures out. I called my dealer, said share the wire with all of us. I told him we've been so nice, don't turn on us. Is it funny how the time flies by, so fast? If we do all of these. Désolé hein, pour le. Comme j'ai dit, c'est l'inconvénient d'avoir mal au dos. Et j'en ai profité d'ailleurs, je suis passé sur Twitter là pendant la pause, et il y a eu confirmation de la part de l'éditeur de Limited Run Games qu'il y aura une édition physique du jeu. Pas de date donnée, mais édition physique, donc c'est assez cool. Et sur ce, on reprend, on va traverser la forêt jolie. Ah, ok, donc là il y a des. Il y a du bondage dans la forêt, donc il faut sauver les humains, je suppose, hein. Ils sont en train de hurler help. Ah, merde! Mais... Ah, putain! Alors, ça va être chiant. Redescends. Vite. Raté. Hop. Allez, c'est bon. Et tout ça pour ça en fait, alors que voilà, c'était pas là que j'aurais dû passer. Bon. Hop, c'est bon. Ne craignez rien. Voilà. Bah, y a une vie à récupérer, hein, on va la prendre. Hop là, voilà. Alors du coup, voilà, là je peux redescendre ici de manière safe. Bah, est-ce que c'est pas plus simple du coup de monter là? Hop là, voilà. Hein, hop, tant pis pour les gemmes. Comme on dit, on a assez de vie comme ça. On a 39 vies, putain. Wow. Vraiment désolé pour tous les petits chats que je recouvre d'encre. Ah, merde. Ah, je me suis fait eu. Ah, mais il y a plein d'ennemis, il y a des lombris. Hop là. Un coffre avec un chapeau, je pense, dedans. Un chapal. Ah, merde. Vraiment, par contre, je saute dans les ennemis, quoi. Il protège votre tête des chutes d'objets. Ah! Haha! Niquez! Niquez la goutte! Ça n'empêche que, évidemment, on va reprendre le bien bon arc. Team arc, ici. Alors, attendez. Là, par contre, ça commence à devenir un peu labyrinthique. J'ai aucune idée de... Voilà. Donc là, je t'ai libéré. Hop. J'ai aucune idée de où je dois aller exactement. Hop. Bah là-bas. Voilà, c'est fini.
Je pense qu'on a. J'ai oublié de délivrer quelqu'un, mais je crois que c'est pas grave. Que c'était une quête annexe. Désolé, petit humain oublié au fin fond des bois de la forêt jolie. Maison de la sorcière. Ouh la vache, la palette, elle picote. Hein. Pourquoi il y a un crapaud là-haut? Attends. C'est quoi? C'est un humain? J'étais venu déclarer ma flamme à la sorcière, mais elle m'a transformé en grenouille. Elle m'a dit qu'elle ne s'abaisserait pas à m'aimer. Ah oui. Ah, rude. On va voir la sorcière. T'es finalement arrivé. Je savais que tu viendrais. Ainsi, c'est toi le nouvel élu de la fée des poulpes. Quand comprendra-t-elle que son heure est passée, que c'est à mon tour maintenant? Tu entres dans un conflit dont tu ignores les enjeux. Tu penses pouvoir te permettre de corrompre ainsi l'ordre du monde? Toi, un simple poulpe sans défense, tu es maudit. Voyons voir ce que tu vaux. Ah, et un... Hein? Toi aussi, tu as été transformé par la sorcière? En poulpe, en plus, elle t'a pas le... Non. La sorcière m'a dit qu'elle ne se rabaisserait pas à m'aimer, puis elle m'a transformé. Ah oui, donc la sorcière n'aime personne. Je passais juste près du lac dans la forêt. Je ne peux retourner au temple avec ça. J'arrive pas à voir ce que c'est, lui. Et c'est rigolo. Aucun de nous n'ose affronter le monde extérieur avec nos nouvelles formes. Si tu comptes sortir, utilise cette fleur. Ok. Est-ce que ça la fleur comme dans Undertale, là? Ok. Ok. Très bien. D'accord. Ok. Ils ont bien dû utiliser la fleur, enfin. S'ils savent qu'elle fait ça, les petits cochons, les petits lapins. Alors. Ah non, c'est un doudou. C'est un petit ourson. Ok, bon. Une vie de prise. Et de 1. J'aime beaucoup la musique aussi. En fait, j'aime beaucoup toutes les musiques de ce jeu, je pense. Car je suis un vrai geek. Donc j'aime quand c'est du 8 bits. Eh ! J'ai pas envie de mourir, il y a pas de checkpoint là. Ah bah, du coup si. On va aller par là. Alors attends, là-bas il y a un truc. Ok, hop. Ah merde! Bah oui, bah donne. Hein. Voilà. Non. Non. Allez, bam! Noscope. Je vais récupérer la gemme. Non! Je vais aller là. Ok. Quand même pratique, hein, ces méchants qui ont des donjons. Merde. Qui ont des donjons, mais avec tout ce qu'il faut pour t'en sortir, hein, si t'es un peu aventureux. Je pense que c'est vraiment un trope dont on parle pas assez. Et voilà! Là, j'ai tout déverrouillé. J'ai plus qu'à faire demi-tour, pas me faire projeter. Et voilà, par les fleurs, exactement comme ça, voilà. Heureusement, elle a mis une fleur pour qu'on fasse demi-tour. Alors. Ah, si vous tombez au combat, une bulle vous ramènerait ici. Il y a encore un boss, super. Allez, bam, encore une vie. Là, je suis... Ah, ah. Tu as réussi à venir jusqu'ici. On va voir si tu ris toujours face à ça. Face à quoi? Un boss ?
Ah! Ah! Putain! Non, non, mais moi j'ai pas signé pour ça en fait. Ah! Putain! Ah la vache! Ah, je peux rien faire! Je peux juste me faire goumer la tête. Hop, hop. Ah, putain! Ah, si, je peux détruire! Je peux détruire les projectiles! Ah merde! Voilà. Ok. T'inquiète, Evan, ton frère par la violence a déjà échoué. Il ne pourra rien face à elle. Tu devrais rentrer dans ton village et ne jamais en sortir pour le bien du monde. Un peu raciste. Quand même. Bon, en vrai, ça va. Même si je meurs à chaque fois contre les boss, ils sont pas non plus trop durs. Et j'ai un stock de vie assez élevé, donc bon. Bah au revoir. Je vais pas revenir voir la sorcière. Padam pam pam padam pa padam bam. Ah. Padam. Ouh! Ah bah non, attendez! Ouh! Ouais! Hop là! Hop! Padam! 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 Oh merde! Le hérisson fait mal quand même! Bah j'avoue que les humains, je vais un peu les skip, j'ai pas le courage d'aller sauver les humains. Je sais pas si genre il y a une fin alternative ou quoi. Il me semble pas d'ailleurs, je crois qu'il y a vraiment, le jeu est très linéaire, il n'y a pas de choix moraux qui influencent la fin, tout ça, donc... Donc en vrai, si je sauve pas les humains, c'est juste ma propre éthique, quoi, de gamer. Ah bah non. Ah bah non. Ouais, non. C'est sûrement passé par ailleurs. Mmh. Mmh. Ah mais... Oh là 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 là. Ah ok, donc là j'ai pas le chapeau de toute façon. Bon, en tout cas je l'ai raté, je sais pas. Ah merde, attendez. Non mais là, je m'en fous, c'est l'assistant vocal du téléphone dont on taira le nom pour pas qu'il se déclenche encore, qui vient de se déclencher. Ingrun. C'est un ennemi, enfin, j'ai failli aller lui parler quoi. T'es agent, ah trop bien. Trop bien, un copain, non. Personne n'est ton ami dans ce jeu en fait. Hop là. Mais non mais je suis... Ah oui. Je l'ai littéralement attendu en fait. Hop. Voilà. Allez hop, rendez-moi ma vie. C'était pas obligé mais bon. Au moins j'ai de l'encre. Pour l'instant on a vraiment toujours pas été à court d'encre. Hein, à aucun moment dans le jeu. Merde. Merde. Voilà. On n'a jamais été à court d'encre, donc après peut-être que le mode les modes de difficulté au-dessus donnent moins de, je sais pas, de capsules d'encre ou quoi. Ah non, ça va, j'avais l'impression de m'être fait bobo. Bon. C'est l'instant cinématique à la porte de Sarona. Chez le boulanger, le gros des troupes a traversé la frontière, nous sommes prêts à combattre Sarona. Le roi a publiquement menacé mon royaume, il faut l'arrêter avant qu'il n'envoie ses troupes sur Idor. Ne vous inquiétez pas, seigneur. Avec l'aide de mes poulpes, Sarona tombera rapidement. Je n'aurais jamais cru que nous pourrions collaborer avec les poulpes, mais c'est la seule solution.
Moi non plus, Seigneur. Une fois que ce climat de guerre sera apaisé, nous pourrons signer la paix avec votre reine. Je l'espère aussi, Bako. Vous avez ma confiance. Allons-y. Je n'aurais pas cru que tu arrivais jusqu'ici, Tako. Tu ne comprends pas les idéaux de Bako. Que cherches-tu à accomplir en aidant les humains? De toute façon, tu ne pourras pas traverser la frontière. La guerre n'est pas faite pour toi. Tu ferais mieux de rentrer au village et d'y rester. Tu es désagréable. Moi, je vais aller acheter du pain. J'aime ces choses simples, un sourire et un croissant pour commencer la journée. C'est vraiment, tu vois que c'est un jeu français, hein, là. Voilà. Le fils du maire vient jusqu'ici seul pour acheter son pain. Ceci est vrai. Cet endroit est parfait pour prendre une petite pause. Nous patientons ici en attendant que la frontière ouvre à nouveau. Ok, et la boulangère? Non? Ah, bonjour et bienvenue dans ma boulangerie. Seul quelqu'un d'important peut traverser la frontière maintenant. Personne ne voudra accompagner un poulpe. Tu devrais rentrer chez toi. Ah, où est-ce qu'il va falloir que j'aille du coup? Eh, hey, bonjour. Eh, hey, copain. Je t'attendais. Es-tu un gentil ou un méchant? Ça, c'est vraiment le truc, tu sais, tu devrais faire ça dans tous les jeux. Et tu sais, quand t'arrives vers un boss, gentil? Méchant? La réponse va déterminer l'issue de cette scène. Je te suis depuis quelques temps, je t'ai vu sauver cet enfant, mais tu es un des leurs. Je ne peux plus faire confiance aux humains, et visiblement tu t'opposes aux poulpes. Je suis Evan, héritier du trône de Sarwana. J'ai fui mon pays en raison des agissements de mon père. Oh. Les choses vont trop loin. Je dois faire mon possible pour protéger mon royaume. Sans elle, je me sens si faible. Je ne me sens pas capable d'y arriver seul. Tu souhaites aussi mettre fin à cette guerre, n'est-ce pas? Oui. Oui, la guerre, c'est pas bien. Ensemble, nous pourrions aller à Sarwana et essayer d'arranger les choses. Allez, top là, copain! Alors c'est d'accord, tu veux vraiment m'aider à sauver mon royaume? C'est fantastique, j'espère ne pas être un poids pour toi. Partons de ce pas pour Sarwana, même si j'ai peur de faire face à mon père. Le garde te laissera passer si je suis avec toi. Allons-y. Allez, j'espère... Il est dans ma poche, le prince. Ouh. Allez, bam 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 bam. Ah oui, donc là, c'est bien ce que j'avais compris, c'est que sur les portes, quand il y a cette espèce de check, c'est qu'il y a une quête à faire, il y a un truc à aller chercher. Sinon, c'est comme là à gauche, sur le 10, il y a juste une étoile qui indique qu'on a terminé le niveau. Donc là, bon, bah, c'est parti, hein. Vous avez l'accord du prince de Sarwana? Ah oui, il a dit d'accord. Ma maman, elle a dit que je peux. C'est vraiment ça. Enfin de retour chez moi. Cela me fait bizarre de revenir ici après tout ce qui s'est passé. Quelque chose a changé. La culture et la foi ont laissé place à la guerre et à la mort. Il n'y a plus de garde. L'armée doit déjà faire des ravages. En route pour la capitale, nous devons tout faire pour arrêter mon père et ton frère. Mando. Bonjour, je suis un voyageur. Tu veux retourner dans l'océan? Eh ben, merci, mais non. Ben, ça va. On est à Sarwana. On est déjà au niveau 15 hein, du jeu. C'est quand même pas mal, hein. Ah, vous avez des boucliers, mais là je peux te niquer dans le dos. Voilà. Ah, il y a des pigeons ici aussi. Non. Non, 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 non. Est-ce que l'archer peut se retourner du coup? Ouais, il peut. Ah. Et voilà!
Ah bah tu vois, déjà là, il y a une joie qui a un truc que j'ai oublié de faire, quoi. C'est... Enfin, oublié. Ah ! Ah ! Un niveau à scroll automatique, oh là là ! Ah, pardon ! Ok. Hop, hop. Allez, bouffe. Pardon, un petit humain que j'ai tué qui ne méritait pas ça, mais... Ah ben, je vous délivre avec plaisir, enfin, mademoiselle. Allez, on va passer par là-haut. Hop là, une vie et bam. Est-ce qu'on gagne des trucs si on délivre tous les humains vraiment? Parce que je vois qu'il y en a vraiment partout. Hein. Bon, ça va, le niveau est franchement gentil. Hein. C'est... On est pas sur un... Un scroll automatique des enfers en mode Mario Maker là. Pardon petit renard. Ah d'accord merde. Attends. Voilà, merci. Voilà. C'est bon, elle compte comme la livrée déjà. Putain, ils sont rapides. Donc là, je peux aller là. Voilà, ok, bah là, je peux faire le saut, oui, c'est normal. Hop. Ah, des fois que... Ah non, c'est bon. Bon bah petit niveau cool hein aussi. Franchement vous voyez ils se font assez vite hein les niveaux du jeu. C'est l'armée. Mince, les soldats de mon père sont là aussi, cachons-nous. Ces chiens d'Idor osent nous attaquer dans notre royaume. Écrasez-les, eux comme leurs créatures. Bagarre mort bagarre. Ce poulpe est encore vivant. Laisse-le mourir, ça en fera toujours un de moins à la fin de l'Alliance. Allons voir si d'autres humains ont survécu. Merci. Merci, petite fille. Un poulpe avec un humain. Vous m'avez fait peur, entrez. Oh merde, alors vous voyez, j'ai pas fait exprès, j'ai changé de décor. Bah on va en mettre un nouveau, tiens, allez. Celui-là, je l'aime bien, voilà, la princesse est un truc du début. Que fait une jeune fille comme toi sur un champ de bataille? Je peux vous retourner la question, pourquoi le prince de Sarona est-il ici? Tu m'as reconnu, je ne voulais pas t'offenser. Vous êtes avec un poulpe, vous devez être différent de ces soldats qui ne soutiennent pas leurs alliés. Exact, Taco et moi sommes en route pour Sarona afin de raisonner mon père. Je m'appelle Rachel, je viens d'Idor. J'ai suivi les soldats depuis leur départ pour la guerre. Je ne peux tolérer l'image qu'ils donnent des humains. Nous avons des valeurs. Abandonner un être dans le besoin n'en fait pas partie. C'est très bien. Je vous rappelle la princesse de votre royaume. Merci, je n'ai rien de noble à part mes valeurs. C'est...
Écoutez, moi je n'ai rien de noble à part mes valeurs, mes pensées, moi-même, voilà, au fond. Ne vous inquiétez pas pour ce poulpe, je vais veiller sur lui. Vous avez beaucoup à faire, j'espère que vous y arriverez. Bon bah si tu soignes nos poulpes, ça me va. Et donc ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui est cool. Enfin, c'est vraiment des petits niveaux. Ah bah allez, encore un niveau à scrolling, bam. Des niveaux qui se font assez rapidement, qui sont pas très difficiles. On peut, voilà, on peut les enchaîner comme on peut en faire juste un ou deux à la pause déj. En sachant que du coup, comme je le disais, je le rappelle, le jeu est disponible sur Nintendo Switch aussi, en plus de Steam. Pour la modique somme de 12,49€. Ah! C'est toi le renard. Donc on est toujours pas sur un truc très très cher. Et puis bon, ça soutient un petit dev indépendant. Et ce qui est cool, c'est comme il n'y a pas une énorme équipe derrière. Évidemment, hein, l'éditeur prend sa part, mais. Du coup, bah, tous les bénéfices générés sont pas non plus, c'est pas Podzob à se partager, quoi. Et d'ailleurs, fun fact, le créateur du jeu, Chris, a été il y a, il y a maintenant un an ou deux, il avait été invité à aller terminer son jeu au Japon, à la Villa Kujoyama, qui est une résidence d'artistes. Donc en gros, ils invitent des artistes des quatre coins du monde, dans plein de domaines, sur dossier et tout, hein, c'est des dossiers assez béton qu'il faut faire, pour venir faire de la création artistique, donc soit développer un nouveau projet, soit finir un projet en cours, un truc qui showcase derrière et tout. Et lui, ça a été le premier créateur de jeux vidéo qui a été accepté là-bas. Ou premier créateur français de jeux vidéo, j'ai un doute. J'ai essayé l'un ou l'autre, mais... et c'est assez cool parce que du coup, c'est là-bas qu'il a pu avancer et se consacrer entièrement à Taco, quoi. C'est quand même une opportunité, je pense, assez rare quand t'es indépendant, quand t'es tout seul, de pouvoir partir à l'étranger comme ça, d'être payé, de bosser sur ce que tu aimes, uniquement sur ça, de pas avoir de petits boulots à faire et tout. Là, il me semble que le CNC aussi a financé le remaster du jeu pour l'aide à l'écriture. Mais vraiment, j'ai mes moments où je ne sais pas jouer du tout. Hein. Attends, hop, 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 voilà. Hop là. Ah, un chapal. Vous obtenez le fouet. Ok, c'est de la merde. Pardon. On va reprendre. Franchement, je vais rester... Merde. Bon, bah j'ai fait n'importe quoi. Mais je pense que je vais rester très longtemps avec le... Avec l'arc, parce que l'arc, c'est vraiment goldé, quoi. Ah d'accord, j'avais pas compris, c'est une plateforme. Ah putain, j'ai le hockey. Et voilà, encore un niveau. Un niveau rondement mené. C'est bon. Taco, j'aimerais te parler de quelque chose. Nous devrons bientôt faire face à mon père, mais j'ai peur. Je m'étais juré de ne jamais le revoir. Avant de rejoindre le château, est-ce que je peux t'emmener quelque part? Je veux te dire la vérité, que tu me comprennes. Cet endroit me donnera le courage. N'hésite pas à faire le tour de la ville avant, je t'attendrai sur le chemin. Oui, on va se balader. Ah, il fait ouf. Nous contenons tous les gardes de la ville dans la caserne.
Il faut trouver une issue, nous devons nous battre pour protéger notre seigneur. Bah oui. Alors, il y a un animal là-haut. Voilà, il y a un petit chat, en fait. Il fait pas miaou. On nous a enfermés ici, mais aucun de nous ne veut se battre pour le roi. À part la nouvelle recrue. Pourquoi chercher à sortir alors qu'on a un chat aussi mignon? Il est interdit d'aller dans les égouts. C'est notre terrain d'entraînement, ok? La princesse était une vraie générale, bien plus aimée que son père. Bah oui. Bon. J'espère que tout se passera bien pour Bako. Ce roi est une bête de guerre. Notre roi est rentré à Ider préparer la fête de la victoire. C'est comme si nous avions déjà gagné. Ok, bon, alors... Yo, bienvenue dans mon dojo. Je l'ai ouvert pour entraîner les gens à se battre. L'objectif est simple, m'attaquer quand je baisserai ma garde. Sinon, je t'attaquerai et tu perdras des points. Tout est une question de timing. Si tu marques beaucoup de points, je te récompenserai. Oh, vas-y, allez. Allez, on teste. J'ai failli le rater celui-là. C'est marrant comme mini-jeu. Ah, merde. Trop rapide. Ah la vache! Ok, coup réussi. Alors j'ai pas compris sur la fin ce qui s'est passé. Bah écoutez, Taco est content, hein, voilà. On va pas... Ah c'est chiant d'avoir le hockey. Bon, alors j'ai peut-être pas parlé aux 20 000 habitants. Ils sont très très nombreux. Ah, il y a un clown. On n'avait pas assez de gemmes. Ah, j'ai un chapeau à acheter, là. Ah, et là, ok. Donc si je collectionne les gemmes, les pauvres sont chassés de la plage du marché. Ici, à côté de l'église, les gens sont plus cléments. Oh bonjour, tu as l'air de venir de très loin. Je m'appelle Sophia. Et toi, Taco? C'est un joli nom. Je n'avais jamais vu un poulpe sans casque, tu es mignon. Wink wink, est-ce que tu crois en quelque chose? Sainte Sophia, vous étiez là. On vous a pourtant interdit de quitter le temple. Excusez-moi, le vol de mon amulette ne m'empêche pas d'être présente pour le peuple. Pour votre sécurité, il vaut mieux que vous ne sortiez pas. Vous incarnez l'espoir du peuple, c'est trop risqué. Oh merde! Désolé, c'est super chiant d'avoir le hockey. Mais je n'ai jamais demandé à devenir la sainte. Cessez, rentrons au grand temple. A bientôt, Taco. Je vais essayer de boire un petit peu. Je ne vais pas tenter les 20 000 techniques de regarde ton pouce, bois de l'eau à l'envers. Bah, tu veux jouer à un jeu? Oh non! Nous allons tous nous cacher en ville. Oh non! Ah bah non! Non, je... Non, désolé. Je veux avancer l'histoire, voilà. Voici le grand cimetière de Sarona. Nous enterrons les défunts hors de la cité car les âmes oubliées se transforment en monstres. Il y a quelqu'un que je ne veux pas oublier. En haut de la colline se trouve le temple et ce que je veux te montrer. Laisse-moi t'y guider. Je ne veux pas me battre mais je sais éviter les dangers. Ah, quand on essaie d'attaquer, il fait coucou, il fait coucou! C'est marrant.
Oh, ça a fait peur. Une rose, elle a vécu l'espace d'un matin, Martin Marbel. Ah! 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 Non, c'est sympa de contrôler le prince, de changer un petit peu de style de jeu. Oui. Oh la vache. Vous allez devoir, désolé, vous allez devoir supporter mon hoquet de merde. Oh le fantôme. Oh mais. Ils sont chauds de ouf les fantômes là. Ne m'oublie pas. Bah ok. Non mais ça. Ah non, les fantômes ils sont relous quoi. Ah. Vraiment. J'aime pas du tout cet ennemi. J'aime pas du tout. Allez. Ah, on joue encore le prince. Bon, ça va du coup, les niveaux sont pas trop durs. Il n'y a pas non plus besoin de réfléchir 20. Ah merde. Ah. Oh la vache. Le hockey, ça fait 20 ans que j'avais pas eu quoi. Pire truc. Ça a fait ploup. Ah non mais oui, c'est ma vie. Allez, encore une vie. Alors attendez, j'ai dû rater un truc. Là. C'est du grincement que provient le son boléro. Ah oui, je connais. Le boléro, c'est un animal qui vit dans les terriers. Ça. Vas-y, casse pas les couilles. Alors attends, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer là? Très bien. Ding. Ah ah. Oh non. Ah oui, non, là c'est dégueulasse par contre. Elle m'a touché. Enfin, j'y peux rien moi si. J'y peux rien si elle m'a touché à la chauve-souris à la fin de la cutscene. C'est pas sympa. Oh, merde! Ok. Elle avait pas de tombe la dame, on avait rien à lire. J'avais pas de. Ah, oh non. Allez. Bon, tous mes interrupteurs sont activés et tout, ça va. Est-ce que je pourrais ne pas foncer dans les ennemis? Alors que tout ce que je sais faire, c'est coucou.
Et je trouve, ouais, enfin, c'est vraiment cool parce que je me serais vraiment attendu à genre juste. Genre un fade au noir en mode bon bah voilà. Voilà, je t'ai accompagné jusque là, Taco, soyons heureux. Non, non, tu te tapes quand même les niveaux. Avec le prince. Ah! Bah décidément c'est la soirée. Ah, ah j'éternue, je hoquette. Oh la vache. Et je vais pas tenir longtemps si ça continue. Ah vache, pardon. Alors, est-ce que je peux enfin quitter mon chapeau d'Indiana Jones ou pas? Nous sommes loin de la ville ici, je me sens en sécurité loin de la guerre. Le prince vient souvent se recueillir ici. Pauvre Sophia, quand pourra-t-elle revoir sa terre natale? Bah oui, c'est vrai ça, quand? Je vois une ombre derrière toi. Oh! C'est Bruce Willis. Il est interdit d'entrer depuis le vol de l'amulette. Ok. On raconte que le cimetière est hanté. Peut-être as-tu croisé des fantômes? Bah... Je suis le fossoyeur du cimetière. Mon fils Enkid a disparu. Il a changé depuis qu'il s'intéresse aux arts occultes. J'ai caché son trésor dans le cimetière afin que personne d'autre ne suive cette voie. Ok. Okay. Ah, alors attendez. Je devais trouver le prince, je l'ai raté. On va le suivre ce coup-ci. On va pas s'arrêter. Bah oui. Je vais te raconter une histoire. Celle d'un prince qui a toujours aimé l'art, mais élevé pour devenir chef de guerre. Jusqu'au jour où un professeur venu d'Udor fut chargé de son éducation. Ce professeur lui enseigna l'histoire de l'art et développa sa créativité. Néanmoins, cela déplut à son père qui fit assassiner ce pauvre homme pour endurcir son... Eh, rude l'histoire, genre, j'aime ton nom, non, c'est pas bien. C'est pas bien d'apprendre l'histoire de l'art, du coup, on va tuer le prof. Envoyez-le. Envoyez-le. Ce garçon, c'était moi. Je crois que je l'aimais. Oh, il était amoureux de son professeur. Une romance. Une romance homosexuelle. Quand mon père est parti se battre, je le fais enterrer ici, dans ma future tombe. Depuis, je viens souvent méditer dans ce cimetière. Ça m'emplit de détermination. Ma sœur Mireille m'a toujours protégé. Ah, quand elle a disparu, j'ai fui le château. Mireille qu'on a vu en début de jeu. Quoi, tu as sauvé ma sœur? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Mais où est-elle maintenant? En tout cas, c'est une guerrière. Je suis sûr qu'elle refera surface très vite, oui. Je te suis encore redevable. Je suis rassuré d'apprendre qu'elle va bien. Prends ça, mon professeur me l'avait offert. Vous obtenez la plume d'Evan. Elle augmente votre vitesse. Il est temps d'aller au château. Le combat décisif nous y attend. On est déjà au boss de fin? Non. Je suis content de t'avoir raconté mon histoire, merci de m'avoir écouté. Ouais, c'est un peu plus sympa d'aller plus vite, c'est vrai. Oh, on n'est pas encore à se battre contre un boss, là. Non, bon, je vais prendre ce chapeau, hein. Je vais speedrun le... On va vite, hein. Effectivement. On va très très vite. On va un peu trop vite, peut-être. Je... Voilà. Voilà, là c'est bien. Là. Très bien, voilà. On va prendre. Bon, il y a de très légers lags de temps en temps, mais vraiment, je pense que ça, c'est dû, c'est vraiment dû au stream. Un ou deux trucs qu'il doit pas aimer, parce que quand j'ai testé le jeu, alors je suis pas allé aussi loin quand je l'ai testé quand il était en... Enfin, il y a une semaine, quoi. En bêta, on va dire. Il y en avait pas autant, mais je suis pas allé aussi loin. Je l'ai testé genre 20 minutes, quoi. Donc...
Ok, ça part en boss fight. Eh ben, je propose qu'on fasse le boss fight. Que voulez-vous que je vous disais-je? Nous sommes enfin arrivés chez moi. Attention! Tiens, te voilà, Taco. En plus, tu as capturé le prince. Nous avons fini d'assiéger le château. Le roi s'est caché dans la salle du trône. Dako ne va pas tarder à y entrer. Rejoins-le, il sera content de voir que tu soutiens enfin notre cause. Alors, il y a méprise. Tu ne vas pas me trahir, n'est-ce pas? Je plaisante, j'ai confiance en toi. Il n'est pas trop tard, allons-y. Par contre, je suis censé l'amener au château, les humains devraient être gentils avec moi en fait. Enfin, bon. Je vais pas râler. Je vais pas râler, mais un peu quand même. Merde. Voilà. Alors déjà ça. Oh, pas besoin. Oh, une fleur. Peut-être qu'il faudrait avoir le chapeau fleur. Attends, je veux voir un truc. Je prends le risque. Ah mais non, parce que si j'ai le chapeau fleur, je vais pas pouvoir changer de chapeau tout de suite, donc non, non, non. Alors là, j'en viens. Ah non, c'est bon. Et donc, je vais faire demi-tour, ok. Je vais pas prendre le risque, parce que quand j'ai le chapeau fleur, je ne peux pas attaquer, donc bon. Si c'est pour rejouer comme le prince, alors que là, on attaque, c'est un non. Putain, il y a des cadavres partout, oh là là. Un carnage. C'était ton frère? Comment allons-nous faire pour entrer maintenant? Je sais, le toit. Il y a un passage sur le balcon de ma chambre. J'espère que la vieille nourrice ne l'a pas fermé à clé. J'espère que la vieille nourrice est encore en vie, surtout. Ah bah oui, bah, attendez, mais il y a des tombes. Eh bah écoutez. Très bien, donc là on a ouvert ici. Ok. Hop là, ok. Merde! Faut que j'arrête de vouloir aller trop vite en fait. Voilà, donc toi tu es décédé. Hop. Petit passage de plateforme peu agréable. Et ok. Est-ce la fin de Sarona? Ne vous inquiétez pas de nous, allez vite aider le roi. Ah bah oui, avec plaisir. Alors là, vous obtenez une clé. Ah! Très bien. Ah non, je peux pas. Donc je suppose que la clé me permet d'ouvrir la porte à côté de Loulou. Non. C'est pas par là. Si. C'est pas par là. Autant il y a des ennemis, ils peuvent s'adapter à ta position dans l'espace, mais alors le petit chien, non, il te voit, il se bat. Il fonce tout droit. Absolument rien à foutre.
Ah, c'est ça. C'était bien ça. Bah, à la limite, attends, j'en vais en profiter pour prendre un... Je vais prendre le chapeau de l'amitié. Voilà. Comme ça, on a un cœur en plus. Les décors sont vraiment super beaux, hein. Allez, c'est parti pour faire demi-tour. Ah, il y a ça aussi, le fait que voilà le corbeau. Ah non, c'est pas lui, je confonds avec l'oiseau. Il y avait les oiseaux qui peuvent aussi changer de direction à chaque fois qu'on les touche. Et c'est un peu relou ça. Je veux. J'aime le corbeau, tu l'as vu, on l'a vu hein, se lever et se rebaisser. Vraiment, il était genre ah, j'y vais pas. Ah, je suis pas sûr. Oula. Là, ça commence à plateformer hein. Voilà. Allez, on y retourne. Oh, oh là là, ça rajoute juste des plateformes et plus ça va, plus il y a du vide et moins j'aime le vide. Le vide dans les jeux vidéo, c'est vraiment le truc genre le vide s'en fond. Alors, faut attendre que les deux plateformes soient voilà. Ah, la salle du trône est en bas. Donc là, il y a un boss. Il y a la bulle. Il y a un boss. Allons-y. Evan, va-t'en. Père. Père, est-ce que ça va? Finalement, ce poulpe aura eu sa revanche. Père. Père. Ne fais pas attention à moi, vas-y. Il y a une épée. Tu es enfin là, frérot, tu peux assister à notre triomphe. Les humains sont des êtres misérables. Ils ont la vie, l'amour, mais préfèrent s'entretuer pour des raisons futiles. Quoi? Tu continues à dire que les humains ne sont pas mauvais? Tu me déçois beaucoup. Maintenant, il est temps de faire ton choix. Es-tu avec ou contre nous? Vous obtenez l'épée de Sarona, vous avez choisi d'aider... Ah, j'avais pas le choix. Tu ne me laisses pas le choix. Ah, oh, il est trop mignon, là, avec... Regardez, il a ses petits points, il fait genre... Voilà, tu ne me laisses pas le choix. Je dois te combattre, pour notre peuple. Eh ben, viens. Ah, par contre j'ai plus de vie là. Ah là là là. Ah, il déconne zéro hein. Il déconne zéro le frérot. Laisse-moi me recharger en merde. Ah bon, après au pire on va le dire, est-ce que je peux pas le spam, j'ai plein de vie. Je vais pas le faire en first try. Allez, pan. J'ai explosé mon frère avec une épée. Mmh.
Quelle détermination. Tu penses sincèrement que je fais fausse route? Oh! Sako, qu'est-ce que tu fais? N'ayez pas de pitié pour lui la prochaine fois. Ah, il m'a juste assommé avec sa lance. Le prince a déjà fui. Acte 1, acte 1. Ah oui, donc là, on vient de terminer l'acte 1. Tu es en retard. Excuse-moi, tu l'as senti toi aussi? Évidemment, l'ordre du monde s'affaiblit par ta faute. Tes poulpes sont en train de corrompre la balance. Nous devions veiller sur l'ordre, mais il a fallu que tu les prennes en pitié. Ce n'est pas de la pitié. Notre rôle interdit les sentiments. Mais je ne me laisserai pas faire, là, la bichois. Je ferai régner les humains comme le veut l'ordre. Ah, la fée et la sorcière sont derrière tout ça. Il alpha. Donc là, on vient de finir l'acte 1. Putain, c'était... Alors, je sais pas combien il y en a, je vais regarder après. Nous avons trouvé l'île Alpha. Mais princesse Mireille, êtes-vous sûre que le dernier temple se trouve ici? Cette sorcière ne m'a jamais menti jusqu'à présent. J'y vais vite, je commence à m'inquiéter pour mon frère et Sarona. Ah, et donc... On joue avec Mireille la princesse. Ah, et par contre, là, voilà, elle tue les ennemis, quoi. Par contre, non, pas là. Donc s'il me touche... Voilà. S'il me touche, moi, je perds un point de vie. Et sinon, il meurt. Ah, il y a une petite animation de mort, c'est cool. Ah, et les tortues par contre elles, haha! Oh! Ah, j'allais dire, on va enfin savoir ce que font les pélicans. Pas du tout. Pas du tout, on s'approche d'eux et ils meurent. Oh merde, putain. Je vais faire une dernière micro-pause après ce niveau, histoire d'avancer encore un petit peu le jeu. Et puis je pense qu'on sera bon. Ça va être un live un peu court hein, ce soir au final, mais là je sens que le dos douille de plus en plus et j'ai la fatigue de la semaine qui se fait déjà sentir. Alors que oui, je sais, on n'est que mercredi. Mais c'est cool. Bon, de toute façon, le jeu est trop long pour être fait en un live, donc aussi, je ne m'en veux pas pour ça. Ah, mon Dieu. Pardon, j'ai... Ouf. Voilà, je vous remets l'écran de pause 2 minutes. Je reviens. Thank you.
Thank you.
Ah mince, pardon, bah voilà, vous voyez, j'avais pas coupé, merci de me le dire, bah du coup, depuis tout à l'heure j'étais en mute, les gens doivent l'heure que je pense. Pardon, 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 bah je vais répéter ce que je disais, du coup je disais, merci de me l'avoir fait remarquer, j'avais pas OBS sous les yeux, faut vraiment que je fasse gaffe à ça, parce qu'à chaque fois que je fais des pauses ou quoi, je reviens, j'oublie de remettre le son. Mais ouais non du coup c'est cool là ouais en 2h30 à peu près entre 2h30 et 3h on a fini un acte donc sachant qu'il y a du coup 4 actes si j'en crois les succès du jeu ça fait une petite dizaine d'heures de 8 à 10 heures pour le faire de manière standard si on fait pas le 100% et là dans les trophées je vois qu'il y a plein de trucs secrets à trouver, des salles secrètes, il y a tous les chapeaux, il y a machin donc on est sur un jeu qui est assez long. Et ça c'est cool. Si vous faites que le normal, vous en avez pour une dizaine d'heures de jeu, donc à peu près ce que entre 8 et 10 heures, c'est ce qu'on trouve de manière standard sur des productions AAA. Donc là pour un indé, c'est quand même pas mal. C'est quand même énorme. Je sais plus le jeu a pris 3 ans, 4 ans de dev, j'ai oublié combien de temps. Sachant qu'il a été redéveloppé après depuis 2018 pour ressortir. Donc il a quand même mis 2 ans et demi encore en plus de dev dessus. Et c'est un jeu qui coûte donc doit être 12,49€ sur Steam et sur Switch en version numérique pour l'instant. Prochainement, en tout cas on espère, en version physique qui a été comme je disais confirmée par l'éditeur du jeu, par Limited Run Games. Donc voilà, bah écoutez, c'était quand même une bonne expérience. Moi ce que je vous propose. Comme je disais, là, je vais arrêter le live assez tôt parce que je suis éclaté et j'ai commencé à avoir bien mal au dos. Donc je vais pas tenir non plus beaucoup plus longtemps. J'en profitais pour me reposer. Il y a le copain Chino qui est parti en live sur Zeldo. Qui joue à The Legend of Zelda et c'est vachement cool parce que du coup il joue. Au jeu, le concept c'est très simple, c'est que s'il meurt, il arrête son live, donc il joue à Zelda Breath of the Wild en mode extrême. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder là où il en est, vérifier qu'il est pas en fin de stream, mais je pense pas. Non, non.
Et du coup, vous pouvez, si jamais bah, vous followez la chaîne, etc., comme vous avez les points de chaîne, vous pouvez utiliser les points de chaîne pour lui donner des vies. Voilà, lui donner des vies si jamais il meurt. Je crois qu'il a gardé la règle aussi de s'il se bat contre un boss et qu'il meurt, on peut lui donner une vie exprès pour le boss. Voilà, donc c'est assez cool. Moi, je l'avais regardé quand il jouait à Bloodborne. Et du coup, bah là, on va aller le voir quand il joue à Zelda. Merci en tout cas d'être passé sur le live, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, hein, si jamais ça vous plaît, à suivre la chaîne, parce que c'est toujours bon pour être notifié des prochains lives. Et on se retrouvera demain soir pour le live sur la langue des signes et la culture sourde et l'actu de la semaine, du coup, sur le sujet. Si ça vous intéresse, bah, passez dire bonjour. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien écoutez, voilà, bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Et à bientôt.